Bonjour à tous, bienvenue chez Bonne Suite Automobile. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage, donc pas n'importe lesquels, puisque c'est une Porsche Carrera, donc en GTS Phase 2, donc 911. Donc déjà, premièrement, couleur extérieure, on va y retrouver ce rouge carmin, donc en option chez Porsche. Donc la peinture en option, c'était 2680 €. Au niveau des jantes, on va y retrouver ces jantes en noir satiné en 20 pouces de la Turbo S, avec les étriers de frein peints en rouge Porsche, disque ventilé, l'inscription GTS, GTS pour Grand Tourisme Sport, car oui, c'est une GT. En option également, on va retrouver le toit ouvrant électrique. Donc, c'est un véhicule d'origine allemande qui totalise seulement 25 900 km. Il a été mis en circulation le 16 janvier 2019 et est affiché au prix de 139 900 euros. On y retrouve le logo Porsche Carrera 4 GTS 4 pour 4 roues motrices, avec cette bande LED qui fait penser aux nouvelles phases, donc les 992. Après, il faut savoir que celle-ci en était pas loin, car elle a été immatriculée en 2019. On va y retrouver l'échappement sport avec le diffuseur. On y retrouve ce béquet qu'on peut baisser ou lever à notre guise avec un bouton à l'intérieur du véhicule. Au niveau du moteur, on y retrouve le fameux flat 6 3 litres, donc turbo développant 450 chevaux. Je vous fais une vue du véhicule. Donc ce véhicule compte pas moins de 26 700 € d'options. Un véhicule très bien optionné pour un prix neuf hors option à l'époque de 140 000 €. Donc c'est un véhicule qui décote très peu et de nos jours commence à reprendre en cote. Donc comme vous le savez, avec les normes écologiques qui arrivent de plus en plus. Et en parlant de normes écologiques, c'est un véhicule critère 1. Nous allons maintenant passer à l'intérieur du véhicule. Donc je vous remontre de trois quarts avant. Car oui, la plupart des options vont se trouver à l'intérieur. On ne verra pas le moteur. Je vous refais une vue de l'extérieur de celui-ci. Et maintenant, on passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va trouver une finition Alcantara carbone cuir qui va être à la fois sportive et élégante. Les boutons des vitres Sono Bose également en option. On y retrouve la baguette en aluminium siglée Carrera 4 GTS. On va avoir le pack intérieur GTS, donc avec ses sièges siglé et brodé GTS sur l'appui-tête, sur piqûre rouge, cuir Alcantara en 18 positions, donc réglage électrique, mais également à mémoire. Qui dit GT dit 4 places, donc c'est un véhicule 4 places avec les ceintures en rouge carmin, les tapis de sol Porsche également. On va s'installer à l'intérieur. Petit détail, les clés sont peintes en rouge carmin, également une option chez Porsche. Fond de compteur rouge carmin également. On y retrouve cette vue typique des Porsche 911 avec les 5 compteurs. Donc pour les températures, la vitesse, un point ici avec la navigation, mais également ça peut nous montrer les températures, la pression de turbo et bien d'autres. On y retrouve également le pack chrono, donc pack carbone intérieur, finition sportive et mais élégante comme je vous l'ai dit. Ciel de toit complet Alcantara avec les baguettes des ailes avant également en Alcantara. Le volant lui aussi est en Alcantara avec ici le bouton pour gérer les modes de conduite. Le pommeau de vitesse en Alcantara également avec du carbone. On va y retrouver en option donc l'échappement sport. Ici le bouton pour gérer le spoiler arrière, le lift donc pour lever le véhicule en cas d'obstacle à l'avant, pour gérer le toit ouvrant, les suspensions, toute la partie clim, bien évidemment les sièges chauffants. Nous allons donc démarrer le véhicule. Nous allons fermer le toit.
nous allons nous attacher pour partir en essai. Je vais également couper la clim. Donc on a ici le fameux porte-gobelet de chez Porsche. Également très pratique. Tableau de bord cuir étendu sur piqûre rouge, donc pour rappeler le rouge carmin. Vous faire écouter le bruit à l'arrêt du véhicule. Donc on entend vraiment le flat 6. Et nous sommes partis pour l'essai. Je vous remonte le pack chrono. Le volant est très agréable, tout en Alcantara, volant sport. Le véhicule possède également le régulateur de vitesse adaptatif avec la reconnaissance des panneaux de limite de vitesse. Donc nous sommes situés à Baraqueville, près de Rodez en Aveyron, où vous pouvez retrouver notre showroom espace de vente avec tous nos véhicules disponibles à la vente. Donc une large gamme de véhicules premium. Et nous sommes partis pour l'essai de cette magnifique GTS. On a un retour à l'échappement. Comme vous pouvez l'entendre, je l'espère. Également l'avertisseur d'angle mort en option. On atteint extrêmement vite les limitations de vitesse. On entend le magnifique son du flat 6. Nous en avons déjà fini avec l'essai de cette Porsche Carrera GTS 991 phase 2. Je vous remercie d'avoir regardé cet essai. N'hésitez pas à liker ainsi qu'à partager cette vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais sur nos arrivages. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, merci.